adoré le film Much Love. Je trouve que c'est une comédienne incroyable. Et puis voilà, je trouve que c'était important de continuer à parler de la façon dont le film avait été reçu au Maroc, malheureusement, et puis surtout de ce qui lui est arrivé, de se faire taper dessus, maltraité par la police, voilà, parce que la censure est encore très forte. Et je trouve que c'est important de continuer à en parler parce que c'est vraiment pas loin de chez nous. Et la censure dans l'art, c'est pas possible, quoi. C'est intolérable. Loumna, tu viens avec moi? Pourquoi je t'avais choisi comme marraine, voilà, que... Et oui, pourquoi? C'était magnifique dans Much Love, que t'es une comédienne exceptionnelle et qu'en plus, la censure autour du film était inadmissible et ce qui s'est passé après, c'est inadmissible. Donc il faut qu'on continue à en parler et qu'ici on est libre, c'est un cinéma libre et bienvenue chez nous. J'étais sur internet, j'ai cherché un petit peu et je la regarde, je vois toute sa carrière, ses choses, ma soeur, je dis non mais c'est pas possible, ils sont en train de me mentir pour me faire plaisir parce que je suis une blédarque. Mais vraiment ça me fait trop plaisir et ça me touche beaucoup, 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 vraiment. Comme la façon comment j'ai débarqué en France, la façon comment j'ai arrivé de trouver toute cette famille, de trouver des gens comme ça avec un très grand cœur qui m'accepte, qui m'aime, qui fait que de bonheur pour moi, c'est vraiment ça fait plaisir. C'est un petit ange parce que la façon comme il m'a traité et pour m'inviter, qu'il ne me connaissait pas très bien et me donner cet honneur, c'est vraiment loin de tous ces paillettes, loin d'être une actrice ou pas. C'est vraiment un petit cœur d'amour. Je suis en train d'écrire un livre sur la polémique de film, un bout de ma vie, et un petit peu sur l'islam radical, et sur l'islam d'aujourd'hui, l'islam d'avant. Je suis un petit peu occupée sur ça, mais dès que je finis le mois de mai, je vais commencer un tournage. Ça va être une surprise.